Pudding il y a 21 ans. Et du coup, ce qui nous intéressait avec le pudding, c'était continuer à pousser ce que nous, on avait expérimenté avec Christophe. Et surtout sortir des salles pour avoir un rapport avec notre public différent. C'est ça, en fait, nous, on aime bien vraiment créer tout en parallèle, en fait. C'est bizarre de travailler sur un texte, tout ça, et puis qu'après, on dit, bah voilà, nous, on veut ça, ça, ça. En fait, non, ça, c'est tout. Ça se fait vraiment tout en parallèle. Du coup, on a vraiment l'impression de tous vraiment avoir participé à la construction d'un spectacle. Quoi. On a tous notre part de créativité, notre part de coup de main, de bidouille, tout ça. On a testé déjà, pas la rue, on veut dire l'extérieur, sur la petite forme. On a testé ensuite les lieux atypiques, genre bar, salle de restaurant, trucs comme ça, mais c'était encore pas un rapport qui nous allait complètement. Ensuite, on a vraiment testé encore un petit peu plus l'extérieur, mais qui était encore pas tout à fait de la rue, pour au final se dire bon, d'accord, peut-être que ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc on a découvert nos premiers chalons, nos premiers oreillac. Donc tu vois, on était tout jeune, on avait 20 balais tout mouillé. Donc on a fait oh, on n'est pas du tout tout seul. Moi je travaillais à l'époque à Lyon dans une compagnie, et puis Toff est venu bosser dans cette compagnie-là. Nous, c'était plus une compagnie des châssiers, tout ça. Je suis chargé de faire la déco du magasin de fleurs. Il y a une scène dans un magasin de fleurs où je fais le personnage aussi qui tient le magasin. Une sorte de soupir, c'est vraiment un format aussi de déambulation comme on aime bien. Avec un spectacle pour deux lectures, avec Jose qui se coupe, qui se rencontre presque un an pour un final, un tout début, un final commun. Mais en tout cas, tout ce qui est de vouloir offrir du plaisir. Et ces histoires de langue, c'est vraiment quelque chose qu'on a gardé en fond dramaturgique. Ensemble, on écrit l'univers qui est dit par des mots par Christophe et Sylvie. Nous, on met en image par le son, quoi, pour soutenir leurs propos. La volonté, c'est quand même que les rues se retrouvent et que là, il y ait une cohésion et qu'il y ait quand même cette montée en puissance, autant humaine avec beaucoup de personnes et avec du son qui porte tout. Donc ouais, ça a été un gros challenge de synchroniser tout le monde, autant en son qu'en jeu.